Gardien de Briançon, non, il n'y a pas hors-jeu. D'accord, bien, monsieur l'arbitre. Ah, c'était cadré. Bien cadré, on a bien entendu le POC. Allez, Brian Tenbach est reparti, un 2 contre 1. Et but sous la botte. But de Brian Tenbach, il a fait mine de faire une passe. Ouais, sous la botte du gardien. Allez, à 17 minutes. Hein. Premier but inscrit par Brian. 3 minutes de jeu. Premier but. Oui, j'ai dit 17 minutes. 17 minutes restant, quoi. Mulhouse se donne un petit peu d'air. C'est sûr que. Il faut pas s'endormir. Ça leur a fait défaut, hein, les derniers matchs. Subir le début de match, là. Il y avait des occasions, mais ça ne rentrait pas. Et du coup, ils étaient dans le dur après. Donc, beaucoup à Riri. Ah oui. Qui est parti travailler un petit peu. Notre compère Riri. 3 minutes et 02 secondes de match. Attention, attention, c'est ouvert, oui, c'est grand ouvert, c'était cache grande ouverte, égalisation. Ah oui, eh ben oui, 10 secondes après, il y a un petit souci avec la défense là, hein. Il était tranquille l'attaquant Briançonnais. Ah, Papillon qui dévide la botte, la cage était grande ouverte. Il n'a pas pu se déplacer rapidement et un peu attentiste la défense là-dessus. Et pas de défenseur. Et ça fait un partout. Ouais, ah bah ça garde du suspense. Et le match est complètement relancé tout de suite. Donc c'est annoncé, il faut jouer. À 3 minutes et 17 secondes de match, but pour l'équipe de Briançon par le numéro 16, Benjamin Bérard, assisté numéro 8. Oui, Chaleille. De la bleue quasiment. Le speaker n'a même pas le temps d'annoncer les buts. Non. Là, un autre. Un beau but de Nicky. Il était un mètre dans la zone. Et en fait, le gardien, je pense, n'a pas vu partir. Non, il était bien masqué. Il était bien masqué. Et ça fait 2 à 1 pour Mulhouse. Hop là, voilà, j'ai cru que ça sortait. Eh ben si, c'est ça, c'est sorti en direct. Amiens. Encore un match crucial hein, pour oui. L'accession au play-off. Ben pour Amiens comme Mulhouse. Hein. Allez, Matima. Ouais. Oui. Visiblement, alors on a entendu un petit coup, on a entendu un petit poteau. Un petit poteau rentrant. Alors est-ce que ce but va être attribué à Rudy Matima? En tout cas c'est lui qui a shooté. Rudy Matima qui fait une belle fin de saison. Après avoir été blessé au retour de l'équipe de France fin d'année. Oui. Bonne salve. Et ça ressort pour Brian Tenbrack. Berardinelli qui est passé, il est passé. Oui. But. Superbe but de Berardinelli. Il suffisait qu'on le dise. Et il a déjoué les deux. Briançonnais, il a pris de vitesse et il allait mettre. Il allait nettoyer la lucarne là. Ah ouais, fraîchement, oui. Ou en tout cas le haut du. Le haut du panier. C'est bien, ça doit lui faire du bien ça après un retour de blessure. Absolument. Et ça fait 4 pour le compteur Mulhousien. 3 longueurs d'avance. Ça permet un petit peu de respirer, mais attention, il est tout seul. Oui, complètement. J'ai l'impression que Briançon a décidé d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur parce que ça bouge beaucoup plus. Dans la défense mulhousienne, regarde, hop. Il est tout seul, oui, et on l'a vu. On l'avait dit, il s'accélère un petit peu. Petit il y avait beaucoup plus de mouvement et les Mulhousiens ont été pris de court. Et ça fait 4-2. Ils savent réagir, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc,
pour les Mulhousiens, c'était encore un avertissement. Absolument. Tout de suite après avoir marqué, ils en reprennent un derrière. Chercher la déviation, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, oui. Un Briançon qui n'a plus de cross. Meunier, un gros shoot de Richouk. Oh là ! Et il y a but. Ouais. C'est l'oiseau, je pense, qui. En deux temps. Qui termine le boulot. Ouais, ouais, ouais. C'est. Donc ça doit être Orichouk qui braque l'oiseau. Ouais, c'est un rebond peut-être sur l'équipement du gardien. Ouais, vu d'ici, on voit. Bon, on voit pas. Je pense que les images pour vous, ça sera mieux. Mais il semblerait que c'est rebondi. Ouais. Il semblerait que ça soit ça. Ouais, c'était flottant et. À première vue, c'est l'oiseau hein, qui l'aurait poussé dans le fond. Dans la cage. On va voir ce que nous dit la table de marque. Oh, oh il nous fait des belles parades. Hein, oui, bout de la botte, là, il est présent, le gardien. Et puis les trois, là, attention, ils s'amusent. Ça revient derrière. Ouais. C'est Guéguéris, là. Au moment où le quatrième rentrait sur la glace. Guéguéris met ce sixième but. Ouais. Malheureusement, je crois que c'est un petit peu le tarif du côté de Briançon. Six, ils en ont pris déjà pas mal cette saison. Ouais. Et on est que. Oui. À la fin du second. Reste donc 1 minute 23 pour ce deuxième tiers. Elle est passée juste derrière la cage. Hein. L'idée était bonne. Oui. Et là, le gardien de Briançon, hein, il se fait pilonner. Et but. Et but. Ouais. Ça a rebondi un peu sur la botte, mais c'est passé quand même. Il y avait de la force. Ça nous fait 7. Là. Allez, les pénalités de Briançon se facturent très cher. Hein.